Eh bien, salut mes petites momies, on se retrouve sur Assassin's Creed Origins. On fait un petit peu de cheval, encore 350 mètres. Ah, c'est quoi là? Eh, trop cool. Un mirage. Et voici notre objectif, un bug dans l'animus. Voici Sekhmet. Pas facile le combat contre. Est-ce qu'un jour on laissera Siwa tranquille? On s'en fout de Siwa. Au camp de Sarajin. Non, on veut se battre contre un dieu. Contre une déesse. Elle est super belle. Franchement, ils ont fait un truc magnifique. J'ai déjà comme munitions, ok. Non, 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 je veux pas cramer. C'est chaud, hein. C'est lequel de le dire. Donc c'est une déesse qui était connue pour sa cruauté et on l'a vénérée en buvant des espèces de bière au sang. On lui pense à vivre. Donc c'est chaud parce qu'ils sont 3 levels de plus que moi. Enfin 2 je crois, je sais plus. Toi, putain! C'est pas le bon arc pour faire ça. On va reprendre l'autre arc. Cours Forest, cours, 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 cours. C'est chaud, hein. L'avantage, je vais directement en choper un. Hop. Et on enchaîne le deuxième. Aïe 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 aïe, non 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 non. Est-ce qu'on peut enchaîner sur elle? Je pense qu'il faut viser cette espèce de cœur de feu là. Pfiou.
Allez, elle a souffert, elle a souffert. Ouais, lui, ça avait l'air d'être un gros. On se casse, on se casse, on se casse. Putain, fais pas une roulade. Du con. Allez, comme ça, hop, on enchaîne. C'est chaud, hein. Oui. Ouhou. J'ai battu une divinité. C'est qui le patron? Il annonce une tempête. C'est qui le patron? Eh ben, c'est moi. Alors on va aller voir si elle tombe, mais a priori plus loin il y a un autre truc. Elle grimpe un peu, putain c'est pas un cheval que j'ai, c'est une tortue moi. Ah oui, bon, mon cheval il fait des sauts de 15 mètres. Interlouse mon cheval, ok. Alors, c'est 60 mètres et c'est en bas. Donc. Je serais tenté de dire que si je continue à sauter comme ça, comme un gros con, je vais mourir. Kinepto. Oui, j'avais pas vu, bonjour. Ils aiment pas le feu, le serpent. Alors, il est caché où le serpent? Piti, 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 piti. Bah là, il n'y a pas de serpent. Ah, bah je crois que je viens de trouver le... J'aime bien quand c'est allumé moi. Allez, allez, voilà. Tu allumes Jean-Robert? Des écritures d'un ancien temps. De vieilles écritures. De l'ancien royaume. Cet endroit est très étrange. Mais vraiment très étrange. Ah. Encore un truc d'animus là. Donc ça veut dire que je dois aller récupérer les pierres comme ça, les bijoux. Ça fait toujours des sous. Ah putain, il y a des momies là. Bonjour monsieur, dame, je cherche à l'heure actuelle un truc. Mange pas dessus. Punaise. Alors, c'est toujours des cristaux comme ça. Il y a toujours une tripotée à côté, donc on va les récupérer. C'est un peu glauque, hein. Oh, il est beau ce char. Alors, le mécanisme ancien, il doit être par là.
Il doit être par là. On va monter, on va faire un coucou. Voilà. Fait, c'est toujours pareil. Il faut placer 5 pour récupérer. Retransmission. Segment 5. Acquisition de contemporanéité. 105 jours se sont écoulés depuis la grande catastrophe. Le messager parle. Un papillon. La couleur bleue. Nous pensons que tout le monde la voit comme nous. L'océan, le ciel, l'International Klein Blue. Mais qui dit que votre bleu et le mien sont identiques? Le voyez-vous vraiment tel que je le vois? Ça, c'est du philosophique, mon gars. Des fréquences si élevées que seuls certains peuvent les entendre. Une réaction plus fine au goût des aliments. Des couleurs visibles seulement par quelques humains. Une voix aiguë, perçue comme du ver vivant. Les perceptions définissent la réalité. Le daltonisme, les acouphènes, le supergoût, le tétrachromatisme, la synesthésie. La réalité est un modèle mathématique résolu encore et encore par l'observateur. Vos pensées sont des calculs. Elles retranscrivent ce monde que vous appelez le vôtre. Les processeurs ne sont pas tous identiques. Les cerveaux différents génèrent des réalités différentes. Les variations s'étagent, du subtil au drastique. C'est votre esprit qui définit votre palette gustative, ce que vous ressentez, ce que vous comprenez. La perception définit la perspective. Là où quelqu'un voit un crâne, un autre voit une femme dans un miroir. Là où quelqu'un perçoit le silence, un autre entend des voix enchanteresses. Vous ressentez ce que votre cerveau vous permet de percevoir. Nous avons délimité vos sens afin que vous ne perceviez que ce qu'il vous était nécessaire de percevoir. Ni plus, ni moins. Il existe des portions du temps que nous avons préféré vous dissimuler. C'était une nécessité. Nous avons 6 sens, vous en avez 5. Pouvez-vous deviner lequel vous manque? Depuis des siècles, l'humanité lutte pour la liberté. La cage réelle n'est pas autour de vous. Elle est en vous. Votre esprit ne vous permet pas de vous aventurer dans des territoires inconnus. Poil au cul. Pardon. Une cage de Faraday pour l'esprit. Une camisole de force intangible. Des événements tels que Sweep et Julia nourrissent les théories du complot sur Internet. Des sons inconnus, entendus une seule fois. Un cabinet de curiosité pour l'époque moderne. Et pourtant, c'était des messages comme celui-ci, attendant leur observateur, leur processeur compatible. Les visionnaires humains ont détecté les contours de leurs limites. Ils ont rédigé des articles obscurs, des romans de science-fiction à succès, certains nous demandant d'arrêter le monde. Mais ce n'était rien de plus. Des fictions. Qu'aurait-elle pu être d'autre? La réalité est ce que l'observateur l'autorise à être. L'effet Doppler, le ruban de Möbius, les déjà-vus, Cicada 3301, UVB 76, les fulgurants sur EK, les endigrammes et les anamorphoses, P égale NB. Eh ben, tous, on cherche ça sur Wikipédia. Tout dépend de ce que l'on perçoit, de ce que la cage vous empêche ou non de voir.
Pensez. Réfléchissez. Laissez votre esprit se libérer. Explorez les limites de votre réalité. Voilà, voilà, voilà. Ah, ça, elles sont super bizarres, ces machines.